c'est avec un visage satisfait président de la République là et vienne assister à livraison turbinio. Voilà, président République là qui saute fait yon chita palé pendant un bon bout de temps avec responsable général électrique et puis ministre PTCA avec l'autre technicien qui fait partie délégation hein, qui a une chance de poser question et puis prend toutes données concernant turbine sa yo une fois de plus. Et jodi a c'est youn nan gros rêve président République là qu'a réalisé, c'est ouais que matériel yo commencé débarquer sérieusement dans pays a pour faire question courant tourner une réalité pour passer et bien de promesse à action. Ça c'est une action concrète yo. Et d'après information qui sorti bon côté responsable général électrique yo, une fois que équipement ça yo fin rivé dans pays a, une fois que y aller dans espace côté yo pral travail là, et bien ça ta doit prendre environ 2 semaines, 1 jour à 2 semaines pour yo commencer fonctionner. Donc normalement si pas gain contrariété, si pas gain l'autre imprévu dans ça qui normalement ta doit dans genre processus là ta doit dérouler, et bien dans 2 semaines toute zone, tout quartier, toute commune dans zone métropolitaine là qui dépend de centrale électrique Carrefour là ta doit gagner un gros amélioration dans distribution courant électrique là. Président République là qui pral gagner pour lui et bien visiter installation un petit temps après, visiter turbine là. Après le gagner probablement pour parler avec population haïtienne là, n'a bien chance pour nous tendre plus d'informations, pour nous joindre fiche technique turbinio plus en détail avec les techniciens qui qualifiés pour ça et qui informés de tout ça qui gagne dans turbine ça, avantage yo qui gens pour servir avec yo, temps d'exploitation yo, mode de fonctionnement yo, dans qui environnement yo bay plus service, yo capable fournir plus service. En tout cas, c'est tout ça yo nous pral gagne pour nous tendre. Et n'a pral gen tout probablement pour nous connaître qui leur reste équipement yo a privé et qui bon yo pral placer. Voilà premier turbine nan qui finalement posé à terre sous applaudissement moun qui vient assister yo président République là avec reste membre délégation qui applaudit. Eh bien, mise en terre, turbine que normalement yo tap tan et qui rive. Nous pral gen chance pour nous entendre aux gens de Djoulan et n'a rapidement rappelé ou que l'État haïtien lui-même gen un contrat avec le pays Turquie. Te jwenn yon entente sous demande président de la République là pour te, eh bien, bay pays d'Haïti des centrales flottantes, ça aurait les bateaux électriques. Yo. Eh bien, gagnent déjà qui arrivent dans le pays, qui trouvent dans le département nord pays pour alimenter l'autre zone. Ce n'est pas seulement la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui a gagné pour bénéficier de courant électrique 24 sur 24 ans, mais c'est tout le territoire national, là, chaque commune, chaque département selon besoin, yo, selon configuration, yo, pour aller gagner, eh bien, centrale électrique par yo qui dépend de yo. Donc, pays d'Haïti, sous route pour rentrer dans le programme courant électrique 24 sur 24 là. C'est processus qui a enclenché là, c'est jalon yo cap posé, différentes étapes yo cap franchi parmi lesquelles côté nous y est là jeudi à dans commune Carrefour là nous trouvons nous pour monde qui fait brancher nous dans Global Marine SA qui recevoir 2 turbines à gaz compagnie américaine General Electric. Nous avons caractéristiques
turbine yo nous marque li c'était M2500. Donc c'est une turbine qui est très puissante et qui gagne bon coup capacité 32 MW courant. Donc en fait, c'est turbine sa yo qui pral vin renforcer capacité courant, production courant que commune Carrefour te gagne avec zone qui environne yo, centrale électrique Carrefour là avec différentes communes qui dépendent de centrale ça. J'en ai dit déjà, jeudi, c'est garder, nous venons garder, côté président républicain, vini sur place tout, nous venons garder débarquement, ou soit livraison de turbine sa yo, qui pral installer dans centrale électrique Carrefour là. Mais ça va vous dire que c'est jeudi, moun yo pral commencer, ouais, gen courant. J'en nous te explique au lia, yo pral gen pour yo faire des travaux là dans yo pour yo adapter yo avec l'autre équipement qui déjà sur place dans centrale électrique Carrefour là. Gen yon temps de 2 semaines que m'te dit nous normalement qui t'a dû prendre si pas gen aucun inconvénient pour eh bien turbine ça a commencé fonctionner by service. Turbine ça yon fois yo installé, yo gen capacité, yo gen yon temps d'exploitation 95 millions d'heures. En fait, c'est tout ça qui concernait deux turbines Sayo qui arrivaient dans le pays à mercredi 16 décembre passé à, et finalement qui réussit déposé ici là dans la commune Carrefour côté Opralguin pour installer. Ou est-ce que c'est jeudi à y a tout prend direction centrale électrique Carrefour là? Est-ce que c'est jeudi y a tout acheminé turbine sa yo dans centrale électrique Carrefour là dans délégation en tout nous ouais directeur général électricité d'Haïti a ingénieur Michel Présumé c'est tout acteur qui concerné dans question courant en Haïti c'est décideur yo qui réuni là pour venir suivre à deux grandes géo, ça qui a passé ici là dans Global Marines SA. Rapidement, on a rappelé aussi arrivé ce débarquement de turbines à gaz General Electric poté toujours. Yo poté en attendant parce que y a l'autre turbine qui pourrait arriver et qui pourrait aller dans l'autre département dans le pays, qui pourrait aller dans l'autre zone. Mais ça yo c'est pour zone métropolitaine qui représentait un gros morceau dans cadre démarche président République l'a fait pour mettre courant dans tout pays là nous connaît zone métropolitaine là li gagne en pile commune qui dépendent de li li gagne une forte concentration de population gagne en pile famille qui dépendent de zone métropolitaine là donc en pile foyer qui pral alimenter à courant électrique ça. J'en nous dis déjà, nous pral gagner avant longtemps pour eh bien ouais résultat concret débarquement turbine ça yo. Ça capable prendre 2 semaines, 3 semaines au grand maximum tout dépend de à qui vitesse yo installé turbine nan. Dans la zone côté le Bralea qui c'est centrale électrique Carrefour là d'après première information nous joignons. Donc c'est information ça yo que nous-mêmes dans la télévision nationale d'Haïti nous portons pour nous permettre de vivre ou même tout avec des grands jours débarquement de turbines à gaz compagnie américaine General Electric après que Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif te fin approuvé contrat courant l'état haïtien te signé avec compagnie ça. Donc en gros c'est ça, nous pas aller n'a retourner tout à l'heure encore n'a prend petit pause pour nous permettre que président République là lui-même gain chance pour approcher turbine et n'a pral gain pour nous faire vivre
déclaration président République là à population haïtienne.